à Vauban. Il est venu ici à Strasbourg aussi. Oui, mais je ne vois pas. Là, il a encore construit cette citadelle. Ah, comme ça. Il y a longtemps. Il y a longtemps. À l'époque de Louis XIV. Louis. Non ? Maintenant, les copains, on va faire un peu de gymnastique. Bienvenue dans la zone de fitness compact. Je veux être fit. Mais tu sais comment faire de la gymnastique? Non. Mais on va. Il nous faut un entraîneur. Ah. Est-ce que tu peux nous montrer les mouvements? Oui, bien sûr. Ah oui. Allez, on y va. Hein? Oh. Ça use, ça use. 1 kilomètre à pied. Ça use les souliers, 2 kilomètres à pied, ça use, 2 kilomètres à pied, ça use les souliers, 3 kilomètres à pied, ça use, 3 kilomètres à pied, ça use les souliers, 4 kilomètres à pied, ça use, 4 kilomètres à pied, ça use les souliers, 5 kilomètres à pied. Ça use, 5 km à pied, ça use les souliers. Mais elles ne sont pas mûres. Regarde, elles ne sont pas mûres encore. Il manque du soleil, il ne fait que pleuvoir à Strasbourg. Tu vas être malade si tu des framboises vertes. C'est non chic? Non, c'est pas chic. Ah. C'est pas bon. Ok. C'est pas bon. Ça fait mal au ventre. Il faut manger les framboises roses. Attention, tu vas avoir un accident, attention, tout ça, je ne vais pas le faire, je ne sais pas, je n'ai pas d'aptitude, donc ça c'est pas pour moi. Et toi, tu vas essayer? C'est chic, non? C'est ça la vie à Strasbourg. Regarde-moi les signes. Oui, il y a maman et papa. Oui, et ils surveillent le nid. Le nid est dans les herbes. Ah bon? Oui. Ils vont chercher à manger. Et puis ensuite, ils le ramènent. Et petits qui sont dans les herbes. Ça doit être le papa au milieu, regarde, il mange tout le temps. Oui. C'est le maman qui s'occupe des bébés, c'est ça? Oui, c'est ça. Le signe, c'est chic, non?
très chic, non? Strasbourg. Oh, les beaux légumes. Ah, des olives, j'adore. Oui, on s'occupe de nous. Ben, je sais. Française, en traverse au rouge. France. Strasbourg, c'est beau, non? Waouh! Là, les bateaux électriques. Complètement silencieux. C'est formidable. Je vais prendre un selfie. Il faut que je prenne un selfie. Alors, la maison avec Goethe en 1770. Là où il faut y aller, Macron. Macron. Ouais, c'est vrai. Voilà la célèbre cathédrale de Strasbourg. Vous savez quoi? Eh bien, Goethe, quand il était ici, il grimpait jusqu'en haut. Il allait jusqu'en haut, il s'asseyait sur le toit avec son ami. Il philosophait sur le sens de la vie. Ça, c'est certainement le centre touristique de Strasbourg, hein? Ça, des touristes. C'est le quartier ancien de Strasbourg. Thank you.
dessert. Ah non, dessert de... Ah, c'est pas la même chose. Rue du Pouvant. Ah. Voilà le débit, c'est impressionnant, hein. Avant, il y avait des moulins ici. Ah, je peux pas me payer l'hôtel comme ça. C'est trop cher. Ah, des cadenas. Ah, je connais ça aussi dans ma vie. Voyons voir qui est-ce qu'il y a là. Sabrina et David. Eh ben moi je dis que Strasbourg c'est une super belle ville, hein. Ça vaut le coup de venir voir, ça c'est sûr. Le jeu de la pétanque. Ok. On prend quelque chose qui s'appelle le cochonnet, c'est ça le cochonnet, et on le lance au moins 5 mètres. Comme ça. 1, 2, 3. Bon, et après? Et puis on prend une boule ronde. Une boule de glace. Et c'est de l'acier. C'est de l'acier. C'est de l'acier, oui. Et on le lance. Et on le lance. Comme ça. Et on essaie d'approcher le cochonnet. 1, 2, 3. Je le lève sous les fesses. Pour oh, secouer. Dis-toi. Je te dis. Je te dis. J'en souffre, non. C'est chiant, non.